La Suisse est sans aucun doute l'un des pays au monde où l'on trouve le plus de spécialités culinaires. Et l'une d'entre elles est la croûte au fromage. Et pour cela, le chalet de Grangeneuve est l'endroit par excellence. La croûte à Jeannette, une serre. Ça, c'est la majesté. Ouais. Martine, elle ne le fait pas comme tout le monde. Non, mais je... C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et elle, lui, il met une simple, hein? Une simple. Une moyenne. Simple. Non, une moyenne. Une moyenne. Une moyenne. Et le gros sarf de Burdel, lui, il se paye une royale. Le gourmand. T'es sûr que c'était pas une demi? Non, c'était pas une demi. Non. Adieu, cousin. Allô? Mais alors, c'est ça. Là, j'ai pris un petit dessert. Là. Regarde avec mon doigt. On voit comme elle est toute petite. Toute petite. Voilà, Martine. Elle fait la charité. Le sommaire. Elle a pitié de moi. Pour beurrer son café là. Ah, elle filme les cloches ou la cloche. Et puis après, il rentre à sa maman, personne ne va venir chercher. On va venir chercher avant que je rentre à la maison. On se retrouvera là. De toute façon, on va venir chercher. Vous allez où, maman? Avant de quitter la Suisse, il faudrait quand même que je prenne un souvenir de notre voiture, la voiture de ses vacances, une Peugeot 308. Très bonne voiture. Traverser la France entre 130 et 150 km avec ça. Et de là, on voit le cheminée 44. Le 21 septembre 2008, Jeannette était invitée à chanter pour commémorer le 8e anniversaire de la Journée internationale de la paix à Lyon. Mais avant le spectacle, nous visitions la basilique de Fourvière,
sur les hauts de la ville. Si vous désirez découvrir un pays et ses spécialités culinaires, choisissez toujours votre guide sur place et parmi les gens du pays. Pour aller manger les beignets au fromage au restaurant du Mont-de-Baume, ne vous adressez pas à Vacances Tour Mont-Royal de Montréal, car il est à peu près certain que vous vous retrouverez quelque part dans l'Himalaya. La ville de Sainte-Croix, où en 1925, maman vint au monde. Mmh.
Cette maison du quartier de la Sagne, c'était celle de mon oncle Albert et de ma tante Germaine, où jadis j'allais passer mes vacances. La marqueterie. Le musée des automates à Sainte-Croix. Dans sa jeunesse, maman travaillait à la fabrication de ces machines. Tu connais les plumes? Ces petites plumes qui sont à l'intérieur, là, qui touchent les... Les petites dents, là? Oui, oui. Les goupilles, ça s'appelle des goupilles, ces petites dents. Ah, d'accord. Lolotte, elle mettait les goupilles dans les trous du rouleau. Ah. Moi, je collais des plumes, là. Ah. Et puis, ça fait quoi? Ça amortit le... Oui, parce que c'était fer sur fer qui se frottait pour la musique. Alors, ça adoucissait le son. Ah, bon. Alors, maintenant, il paraît qu'ils font des plumes artificielles. Nous, on nous fournissait des plumes de poule. Ah, voilà. Puis, on coupait juste la dimension qu'il fallait. Oui, oui. Ils fonctionnent, ceux-là? Parce que autrement, ça ne se vendrait pas, sûrement. Hein? Oui, bien sûr. As-tu vu comme beau, elle emballe ça pour toi? On voit que ça tourne. Ah. Pas comme ça. Bon, il n'y a pas de boîte de résonance. Ah, on peut voilà. Entendre, tu vois. Mais là, on voit que ça tourne. $300, le petit chalet suisse. Ça fait des piastres en titi. Après les vaches du chalet du Mont-de-Baume, c'est les vaches du musée Sima. Laisse-moi voir si tu fais des bonnes notes. Ah bah oui. Ah, c'est génial ça, hein? Il travaille bien ton Mozart. Ah mon Dieu, oui, les bonnes notes. Bonjour madame, ça va? Voilà. Bonjour madame. Regardez-moi pas comme ça, vous allez me faire rougir. Ça va, la fois. Pour notre dernier jour de vacances, un au revoir à Yverdon-les-Bains.
Je filme Jeannette avec son beau sourire. Elle est très fatiguée, mais on va aller manger.